Saluons ce matin dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et mes salimia ya subui mujina la bwana wetu Yesu Kristo. Veuillez un peu vous mettre un instant. Nawezi kuikala kwa muda. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Bwana Yesu Kristo azidi kunibariki. Nous tenons à lui remercier pour sa grâce merveilleuse qu'il nous accorde ce matin. Napikia tena aksanti kwa neema yake ya subui. Le privilège qu'il nous donne de venir dans sa maison. Je sais que sous le sang des boucs et des taureaux, ta vie pouvait s'écrier. Mon cœur est dans la joie quand tu me dis d'aller dans la maison du Seigneur. Nous sommes sous le sang précieux. Non seulement nos péchés sont pardonnés, mais ils sont jetés dans la mer de l'oubli. Et nous devrions être tellement dans la joie pour être dans la maison de Dieu. Je tiens d'abord à lire, il y a un frère parmi nous qui a offert au diacre quelques billets pour le concert qui s'effectue, je pense, aujourd'hui, des frères Mulumbo Mwanatao. Il y a quelques billets disponibles là. Si vous êtes intéressé à participer à ce concert, priez de pouvoir contacter les honorables diacres. Et nous remercions le Seigneur et le frère pour cette attitude-là. Il veut que vous puissiez aussi participer. Si vous êtes dispo. Ainsi, nous tenons à remercier toute l'église entière de voir que nous avons débuté les travaux de l'église. Le travail de creuser les fonds, donc le puits est en grand. J'ai vu comment le frère se démène pour aider quand même la chose. Ceux qui travaillent eux-mêmes pour creuser ce puits-là. Comme je vous ai dit, il nous fallait, si c'est 52 puits, alors chaque puits c'est presque 2 mètres. J'ai vu quelques personnes se débattre réellement. Que Dieu les bénisse richement. J'ai vu des initiatives par certains frères qui se sont mobilisés pour payer les journaliers, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas membres de l'église, les gens qu'on a sollicités un peu dans les parages pour renforcer. Parce que vous savez que nous sommes dans une ville où les gens sont embauchés, travaillent pour les gens, des entreprises ainsi de suite. Et
regrouper tout le monde, c'est un peu difficile. Nous sommes dans une ville où les gens doivent travailler. Si c'était un travail d'une seule journée, on pouvait le faire avec nos membres. Parce qu'en réalité, je vois la volonté là dans les gens. Et vu que nous sommes dans une ville où les gens doivent travailler, et si nous comptons seulement sur les volontés, ça peut nous prendre beaucoup de temps. Et pourtant, nous travaillons visant l'arrivée de la saison de pluie. Alors, il y a un groupe au milieu de nous, de frères, qui se sont mobilisés pour payer les journaliers. J'ai vu certaines personnes, elles sont ointes pour ça. Que Dieu les bénisse richement. Mungu azidi kuwabariki. Et nous croyons que le Seigneur nous sera favorable en toutes choses. Kwamba Mungu atetusaidia mukila kitu. Je peux aussi rappeler cela à la fin. Nous aurons besoin de quelques sœurs volontaires. Pour former si c'est 4 groupes ou 6 groupes de gens, de sœurs. Donc, pour préparer pour la nourriture pour ceux qui travaillent dans les chantiers. Parce que le travail est long. On ne peut pas retenir quelques sœurs, ça va épuiser. Elles ont des enfants, elles ont des familles à servir. Donc, nous voulons composer même un groupe, 5 personnes par jour, 5 personnes par jour. Au lieu de venir s'encombrer. Et peut-être on peut se fatiguer pour cela. Et c'est ainsi que nous allons nous organiser avec les diacres. Et on doit scinder des groupes de 5 personnes, 5 personnes. Ceux qui travaillent lundi, ceux qui travaillent mardi, ceux qui travaillent mercredi. Donc, chaque jour, il y a un groupe qui vient travailler. Et cela fera que nos sœurs ne seront pas épuisées. Voilà pourquoi nous avons réfléchi de cette manière. Et vous, nos sœurs volontaires, veuillez voir le diacre à la fin de la réunion. C'est ce que j'aimerais d'abord vous faire voir. Et les autres choses, on en parlera après la prédication. Ainsi, je vous demanderai que vous puissiez vous tenir debout. C'est encore l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi le peuple le craint. Il est si bon pour moi. Il est bon, j'ai
n'en veut d'autre. Car il m'est fait aimer mon frère. Il met autre chose à découvert. Il est si bon. Donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Il était si bon pour nos pères. Il fut bon pour les îles. Il était bon pour Frère Branham. Il est si bon. Donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon, mon pasteur. Donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Il est vrai bateau des Sillons. C'est les vieux bateaux des Sillons. C'est les vieux bateaux des Sillons. Donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Est-ce que vous pouvez crier alléluia, gloire au Seigneur? La cabine, donnez-moi un peu les retours. La volume, je ne vais pas me pomponner ce matin. Ainsi, pendant que nous sommes debout, nous allons prendre l'écriture dans 1 Roi chapitre 10. Et nous prenons le verset 1 jusqu'à 10. Je vous demanderai d'incliner la tête pour un moment de prière. Dieu des esprits des prophètes, puissant rocher d'Israël, le même hier, aujourd'hui, éternellement, toi la gloire de la Shekinah qui est dans nos cœurs, Jésus-Christ qui vit dans nos âmes. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ce moment capital, Seigneur notre Père, que nous avons de pouvoir nous retrouver ici pour, ô Dieu, nous retrouver autour de la parole sainte, Seigneur Jésus. Maintenant, Père éternel, il a été dit que c'est un dernier jour. Personne n'enseignera son prochain, mais tous seront enseignés de Dieu. Nous prions, Père, que l'onction qui apporte la parole véritable vienne, Seigneur, et que cela nous dispense correctement la parole, Père. Prends tout esprit sous ton contrôle, Père, et bénis tout homme qui serait dans ta présence ce matin, et bénis les dons par lesquels tu nous parleras, et c'est lui qui interprète, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, nous prenons... La référence a été déjà donnée. La reine de Séba, je lis directement en français, a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. Elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse, avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle s'est rendue auprès de Salomon et lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ses questions et il n'y rien que le roi n'y sut lui expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et le mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échantillons, et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. » Je ne les croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Errez tes gens, errez tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur les trônes d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime toujours Israël qui t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Et dans Romains chapitre 14 verset 23, « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné,
parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Prière de vous mettre. Croyant que le dimanche passé, nous avons été bénis par l'intervention du grand messager de l'âge, William Branham. Et cela dans son message intitulé « Intéressé puis convaincu ». Et cela nous a été béni, c'est le ministère des bandes que nous avons écouté le dimanche passé. Et pendant la semaine, nous avons pris une pensée pour enchaîner avec la pensée afin de pouvoir aider et insister sur quelque chose qui pourrait peut-être dépasser quelqu'un au travers la bande. Et comme le disait Pilgrim, que je n'ai pas un autre message que je peux apporter, je ne parle pas sous l'inspiration, mais je prends ce qui a été dit et j'insiste là-dessus. C'est ainsi que nous avons essayé de parler sur l'écriture de Romains chapitre 4, là où il est dit qu'Abraham, sans doute, sans s'affaiblir dans la foi, il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse, mais ayant la pleine conviction, il a continué à croire que Dieu était capable de pouvoir accomplir ce qu'il promet. Et c'est cette pensée-là, ayant la pleine conviction, que nous avons exploité réellement donc pendant la semaine, c'est-à-dire mercredi et vendredi. Et ce matin, j'aimerais ajouter quelque chose toujours dans la même pensée, parce que nous croyons que cette parole est éternelle. Un seul message de Frère Branham mérite d'être exploité dans plusieurs manières. Et je me souviens quand on était encore dans la location de l'autre côté, on avait joué la bande Un homme appelé de Dieu, et nous nous sommes entendus avec le groupe de prédicateurs qui était avec moi en ces gens-là, en ce temps-là. Et chacun est entré dans cette inspiration Un homme appelé de Dieu, et chacun a soutiré quelques miettes qui étaient restées sur la table, et cela avait béni notre église. Et je crois que les bandes de Frère Branham, c'est les choses qui sont dites sur les bandes, et ce sont des bandes, donc des choses très profondes. Et le message que William Branham nous a apporté dans ce temps de la fin, il s'est laissé emporter par l'esprit, et des fois il sortait de lui-même, il recevait une inspiration. S'il était dans les bois, il prenait les stylos. S'il n'avait pas de stylo, il prenait un bout de quelque chose comme ça. Et il commençait à écrire cela. Et c'est pour vous rassurer que le message du temps de la fin est venu d'une source inspirée. Ce n'est pas un théologien qui nous a parlé, mais c'est un prophète qui a été loin ici au temps de la fin, et qui a saisi la pensée de Dieu pour cet âge, et qui a compris le programme de Dieu, et qui est venu nous transmettre son programme. Voilà pourquoi nous croyons que les messages du temps de la fin, prêché par le précieux frère William Branham, et au-dessus de toutes les théologiens chrétiennes, théologie chrétienne,
tous les séminaires qu'on peut avoir aujourd'hui, vous ne pouvez pas entendre quelque chose de plus élevé que les messages de Frère Branham. Et c'est un message très profond. Et le messager déclare que nous devons écouter et réécouter ce message. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Amen. Et nous avons été donc inspirés par cette écriture ici. Comme Romains chapitre 14 en parle, à son verset 23. Celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par la conviction. Et tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Ce qui avait attiré mon attention le dimanche en écoutant la bande, j'ai compris que Dieu ne peut rien faire avec une personne si il n'est pas, elle n'est pas encore convaincue sur une chose. Et tous ces grands personnages que le messager a cités, énumérés, et c'était des personnes convaincues. C'était des personnes qui ont été concernées dans la chose. Et au travers des hommes convaincus, et Dieu a exploité, donc a manifesté sa puissance. Dieu a révélé ce qu'il est au travers d'un peuple convaincu. Et plusieurs personnes ont été énumérées par les prophètes. Mais la Bible n'était pas terminée. Pendant la semaine, nous avons pris quelques personnages qui étaient aussi concernés, convaincus, ayant vraiment la pleine assurance, ayant pleinement la conviction. Et nous avons un peu parlé de cela. Et ce que j'aimerais d'abord vous faire voir, la Bible précise que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Et une conviction, c'est une preuve évidente produite dans votre esprit. Et c'est une preuve évidente qui est produite dans votre esprit. La conviction est la certitude qu'on a quand on possède la vérité. Ou qu'on a sur un fait réel. Et la conviction, c'est la certitude qu'on a sur un principe. Et c'est ce qui est dit étant convaincu. C'est pourquoi Abraham, ayant la pleine conviction, il pouvait croire que Dieu était capable de donner ce qu'il promet. Et j'essaie de faire voir à notre ensemble une conviction n'est pas fondée sur rien d'autre que la parole de vérité que vous recevez dans votre cœur. Une conviction doit être fondée sur un principe divin de la parole. Parce que vous pouvez trouver le langage qu'on a aujourd'hui. Quelqu'un est en train de faire quelque chose ou se méconduire de n'importe comment ou prend une certaine décision. À la fin, il vous dira que ça, c'est ma conviction. Et nous trouvons que la conviction ne s'accorde pas avec la parole. La décision ne s'accorde pas avec la parole. Le comportement ne s'accorde pas avec la parole. Mais il vous dira que c'est ma conviction. Les Américains marchent. Les femmes dans les sous-vêtements, les hommes dans des culottes, quand vous les demandez, je suis américain, c'est ma conviction. Et nous trouvons ce genre de langage parmi les chrétiens. Pourquoi vous faites ça, c'est ma conviction. Quel genre de conviction? Et nous avons déclaré qu'il y a une conviction qui n'est pas fondée sur la parole
parole du Seigneur. Cette conviction n'est pas de Dieu. Et nous avons déclaré que c'est une zone très dangereuse. En tant que serviteur de Dieu et votre frère, j'essayerai de tout mon mieux pour vous décourager, pour vous faire quitter une zone dangereuse. Si je trouve que vous avez pris une décision, il ne s'accorde pas avec les messages d'un mois à l'autre. Si vous avez un certain comportement qui ne s'accorde pas avec la Bible et qui ne témoigne pas de la vie chrétienne, je serai dispo à vous conseiller, à vous supplier, à vous dire que c'est une zone dangereuse. Quittez ceci parce que ça ne se concorde pas avec la message. Si réellement je vous aime. Et ceux qui étaient avec nous le dimanche passé, Frère Branham a dit quelque chose sur les bandes. Et mais, c'est quoi? Qui peut s'en souvenir? Et mais, Branham a expliqué, et mais c'est quoi? Nabi, alionesha sema kupenda ni nini? Hein? Il a dit aimer c'est discipliner. Asema kupenda ni kupika mfimbo. Aimer kupenda c'est discipliner. Ni kusema kupika mfimbo wakati na staili. Et j'aimerais d'abord que vous puissiez comprendre de cette manière-là. Mina penda mwele que mwele si na je vous aime réellement. Ni kusema akika tu kama mimi napenda. Je ne peux pas vous laisser prendre une décision. Siwezi kumiacha mnachukua mpango. Ou prendre une direction. Au kubeba njia fulani. Donc je sais que au bout du chemin, il y a un danger. Ile mimi najua sema kumwisho ya hii barabara kuna kuwa hatari. Comprenez que je peux être là comme votre pasteur. Mwelewe mimi nawezi kuwa hapa sa pastori wenu. Et que vous êtes sur un chemin. Et que je vois que la direction que vous avez prise là, au bout du chemin ou en chemin là, il y a un lion. Na mimi naona kwamba mwile njia ukunenda kumwisho au utapatana na simba. Et si je vous aime, je vous dirai non, n'emprunte pas cette direction là, n'emprunte pas cette voie là. Si ce chemin là, il y a un lion. Nitakwambia hapana kubeba ile njia njuku mwisho kuna kuwa simba. Et si je vous voyais en train de naviguer sur les eaux, na kama mimi nakuona conduire la barque, kuna ongoza merikebu pa maji, et que je suis en train de, que vous êtes en train de partir dans des chutes grande là-bas. Et si je vois qu'il y a des chutes dangereuses, je vous crierai, je dirai, précieux frère, précieuse sœur, n'avance pas, il y a des chutes là-bas. Et vous n'allez pas vous en sortir parce que c'est une zone dangereuse. Et ça, c'est ce que ferait n'importe quelle personne qui a l'amour pour l'autre. Et ce que j'ai désiré d'abord que vous puissiez comprendre, une conviction vient de la foi. Et ce verset-là, dans la version de Darby, il est dit que tout ce qui n'est pas sûr, un principe de la foi, est péché. Ile yote aina chini ya msingi ya imani inakuwa ni zambi. Et Louis Second déclare tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Na Biblia inasema kwamba yote ile haiko matukio ya imani inakuwa ni zambi. Dans la version la parole vivante il est dit et quand on n'est pas en accord avec la foi on commet un péché. Na ile kutafsiri nasema kwamba kama upatane na imani ile yote tatokea kwa zambi. Quelqu'un qui essaye de manger quelque chose mais il a des doutes. Mtu kwa napima kula kitu lakini anasikia kubisha ndani ya moyo. Il n'est pas convenu de ça. Ana na hakikisho kwa ile. Il serait réellement avantageux pour lui de laisser tomber la chose. Hakika kwake anapasha kuacha ile maneno. Et la foi na imani ne peut pas vous autoriser de faire quelque chose en dehors de la parole. Haiwezi kukuruhusu kufanya kitu kinakatalana na neno. C'est pourquoi dans les messages la sagesse contre la foi. Njoo kwa maana ndani ya hii ujumbe. Laisse-moi relire ces citations avant d'entamer mon message d'aujourd'hui. Wacha nisome tena mbele ya kuingia mu ujumbe. Et je vous donne la référence, vous pouvez vérifier cela parce que c'était déjà lu. À son verset 112. Maintenant, la foi se confie simplement
dans sa parole. Imani inakuwa na inajiachilia tu ndani ya neno yake. Vous voyez? Unaona? C'est ce qu'il voulait qu'il fasse, que les gens fassent. Sio kile alipenda bantu bafanye vile. Maintenant vous avez maintenant la toile de fond. Sasa unakuwa na mistari. C'est exactement ce que Dieu voulait que la race humaine fasse. Hakika tu ndio kile Mungu alipenda kwamba binadamu wafanye. C'est confié dans chaque parole qu'il a dite. Ni kusema kuegemea kwa ile yote yanasema. Et c'est confié à une partie de cela. Haina kuegemea kwa kipande kwa ile. Sauf à une petite chose. Iwe tu kwa kaleka kitu kidogo. Elle a accepté bien, je suis rempli de sagesse. Alitika kwamba anajazwa na hekima. Peut-être que c'était comme cela. Sa zingine ilikuwa vile. Alors c'est là même que là lâché prise. Na sa njo kwenye aliachiria. Quand elle a lâché une petite portion de la parole. Wakati aliachiria tu sehemu kidogo. C'est là que Eva a commencé à s'enfoncer. Là même. Pale Eva akaanza kutumbukiza. C'est là même que la race humaine entière descendait tout droit dans la tombe. À partir de là même. Parce qu'elle douta d'une seule parole. Et la foi ne se confie qu'à la parole. Et tout ce qui n'est pas le produit de la foi est péché. Tout ce qui n'est pas bâti sur un principe de la foi est péché. Et vous ne pouvez pas être convaincu de faire quelque chose en dehors de la parole. Si vous êtes chrétien. Et combien je sentais dans mon cœur le Saint-Esprit bouillonner là-dessus le vendredi. Et dans la grande commission, Frère Branham nous a dit, au paragraphe 44, j'admire un homme qui soutient ses convictions sur la parole de Dieu. J'ai besoin de vos amens. Branham soutiendra un homme. Soutiendra un prédicateur. Soutiendra un homme. Soutiendra une femme. Soutiendra une église. Une nation. Une famille. Jamais. Qui peut soutenir ses convictions sur la parole. Et c'est là que je dis, mes amis frères et sœurs, si la chose n'est pas la parole, ne dis pas que c'est ma conviction. Aujourd'hui, les prédicateurs prêchent des choses fausses aujourd'hui. Et pour brandir, ils disent ma conviction. Écoutez, mes amis, c'est pour cela. Vous avez toujours été, vous avez vu, je suis réticent de ce langage-là. Moi, je comprends que la conviction de l'épouse vient de la parole révélée. Nos convictions doivent être les convictions du prophète. Et si William Branham ne donne pas une conviction, laissez tomber vos convictions. Gardez vos convictions pour vous-même. Mais ça n'a pas de place dans votre vie chrétienne. Oh, ça c'est ma conviction. Je prêche mes convictions. Et si tout prédicateur prêchait ses convictions, il y en a combien aujourd'hui? Les prédicateurs sont combien? Et si chaque prédicateur prêchait ses convictions, ça ne marchera pas. Dieu a pris un homme. Il lui a donné une vision. Il lui a donné de précieuses convictions. Tenons-nous aux convictions de William Branham. Et répétons les messages à l'onde de la foi. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Et j'insiste là-dessus ce matin. Branham déclare, j'admire un homme qui soutient ses convictions sur la parole de Dieu. Je vais être clair ce matin. Vous connaissez les cas qui se sont passés ici. J'ai dit à Oscar Lubanza que le divorce, ce n'est pas un problème. La séparation avec votre femme, ce n'est pas un problème. Vous pouvez vous séparer de votre femme pour n'importe quel motif. L'homme peut chasser sa femme pour n'importe quel motif. Mais vous n'avez pas le droit de vous remarier. Est-ce que vous croyez cela? Ça, c'est la conviction que nous avons sur la parole. Ce n'est pas aujourd'hui vous brisez le mariage et demain on vous autorise quelque part, vous allez vous marier et dire que c'est ma conviction. Ça, c'est satanique. C'est dénominationnel. C'est païen, ça. Il est pagano.
Oh, ma conviction. Quel genre de conviction? Ni akikisho kanishetanye ko nayo. Et vous allez écouter les gens dans les parages. Bantu ba mumbanzemo, wendu ba teleja, bangambi. C'est quoi ça? Mutasikia bantu ba pembena basema balinyambia. La foi se retient sur ce que dit William Branham. Imani ni pakile nabii anasema. Répète-moi ce que dit la Bible. Wewe unyambia. Répète-moi ce que dit le messager. J'avancerai avec votre vision. Minta songa mbele na ile onyo yako. Et Frère Branham nous a dit conseiller. Dans ce message, les esprits séducteurs. Quelqu'un lui a posé la question. Au paragraphe 43-44. Quelqu'un est venu l'autre jour, il a dit. Frère Branham, pensez-vous que c'est mal de faire telle et telle chose? J'ai dit, pourquoi posez-vous des questions à ce sujet? S'il y a une question dans votre esprit, laissez ça de côté. Ne le faites pas du tout. Tenez vous en ça simplement. Quand vous vous apprêtez à faire quelque chose et qu'il y a une question à savoir si c'est bien ou mal, Branham vous conseille, tenez vous en loin. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Branham déclare, ne vous aventuriez pas du tout, alors vous saurez que vous avez raison. Et voilà ma conviction, c'est la parole du Seigneur. Sœur, ma conviction est là. Mais ma conviction ni yangu ni kikela ya bwana yangu ikuya yangu kama inapatana na neno ya Mungu uiache. Uyache. Même si n'importe qui t'a conseillé. Atakama ni mtu wote anakushauria. Vous pouvez peut-être avoir des difficultés avec votre femme. Sa zingine amupatane na bwana yako. Et la famille vient vous embrouiller. Na jamaa inakuwa kukuvuruka. Et umukajito. Uyu bibi achana naye. Uyu bibi hapana. Mtombo wetu umukajito. Mtombo wetu njua uyu bibi achana naye. Et vous venez dire papa. Le pasteur, la famille m'a dit. Pastori, jamaa yangu njoo inasema. Hein? Mukajuto. Huyu bibi hapana. Nani wanye muka? Mulu mato. Njoo huyu bwana wewe achana naye. Et vous décidez de vous séparer. Na wewe unabeba mipango na muachane. Parce que tel agis. Njoo fulani anasema. Ça non plus. Il a dépassé. Asema huyu anapitisha. Ce n'est pas ça. Et vous êtes les croyants du message. Na wewe uko mwaminifu wa ujumbe. Vous êtes derrière un grand prophète. Uko nyuma avec une grande vision comme William Branham. Kwa na ile onyo kubwa. Toi. Haya kwako. Le message de Frère Branham. C'est la volonté de Dieu exprimée. Ni mapenzi ya Mungu yenye kuonekana peupe. C'est le programme de Dieu que Dieu nous a transmis, mes amis. Les choses que vraiment Branham prêche, ce n'était pas populaire, je vous dirais ce matin. Branham était un homme direct. Il n'avait pas besoin d'amitié, il avait besoin de la parole. Oui, mes amis. Que Dieu nous aide. Je suis votre pasteur. La confiance que vous me faites, si je ne vous dis pas la vérité, un jour je te reste taxé comme un hypocrite. Dieu ne peut rien faire avec une personne qui n'est pas convaincue. Ayant la pleine conviction. Vous êtes censé avoir la pleine conviction que le Dieu Tout-Puissant dont vous êtes créature vous a appelé à croire le message. Mes amis, la vie chrétienne n'est pas une exhortation qu'on vous donne. La vie chrétienne, vous ne serez jamais être chrétien si Dieu ne vous a pas appelé à être chrétien. Et la personne que Dieu a appelé pour être chrétien, elle est consciente. Na ule muntu Mungu anaita njua qu'il ait des amis ou pas, qu'il ait de nombreux ennemis, ça ne lui empêchera jamais d'être chrétien. Dieu l'a donné la conviction qu'il doit être chrétien. Awe na barafiki awapana
Laisse-moi le dire ce matin, que Dieu le bénisse ou pas, il doit rester chrétien. Et nous devons être convaincus du message. Convaincus que William Branham est la voix d'avertissement. Et cette voix d'avertissement, si nous ne l'acceptons pas, deviendra la voix de jugement. Les eaux qui ont sauvé Noé, ce sont les mêmes eaux qui ont détruit le monde. Même parole que nous écoutons qui fait notre expiation, c'est la même parole qui condamnera l'incrédule. Qu'est-ce que je dis ce matin à cette assemblée? Ne doutez aucune parole du prophète. Et Dieu a besoin des hommes et des femmes convaincus. Dieu n'a pas besoin d'une foi hésitante. Dieu n'a pas besoin des gens qui ne connaissent pas qui ils sont. Et pour provoquer la puissance de Dieu, vous devez être convaincus de Dieu. Et Branham a prêché un message intitulé « Soyez certains de Dieu ». Il a prêché plusieurs messages concernés puis convaincus. Et ce matin, Dieu a besoin d'une personne convaincue. Cette personne convaincue. Qu'il soit le plus villageois que jamais. Qu'il soit le plus pauvre que jamais. Qu'il soit le plus riche que jamais. Qu'il soit convaincu de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Amen. Et regardez mes amis. Quand Eliezer a été envoyé pour prendre une femme pour Isaac. Je commence mon message pour ce matin. Et quand la mission d'Eliezer a été vraiment réalisée, et qu'il avait trouvé la jeune fille d'après les instructions que le Saint-Esprit lui donnait, et quand il a vu que les parents de la jeune fille traînait pour lui libérer avec de partir avec la jeune fille. Il leur dit, il leur répondit, ne me tardez pas puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Et alors, les parents de la jeune fille de Rebecca ont dit, ils leur répondirent, appelons d'abord la jeune fille, consultons-la. Parce qu'il voulait voir si réellement Rebecca a la confiance. Et si elle a la pleine conviction. La Bible déclare qu'ils appelèrent donc Rebecca. Et lui dire, veux-tu aller avec cet homme? Veux-tu aller avec cet ingonné? Écoutez la réponse de Rebecca. Elle répondit, j'irai. Ayant la pleine conviction, convaincu puis concerné, j'irai. Et la petite épouse doit crier, j'irai. J'irai jusqu'au bout. J'irai avec mon Seigneur. J'irai avec les messagers. J'irai avec ce qui est sur les bandes. J'irai. Alléluia. Amen. Sans hésitation. Elle n'a pas douté. Elle n'a pas réfléchi. Mais elle a dit, j'irai. Et en possédant les portes de l'ennemi, frère Branham déclare. Alors que ses parents n'arrivaient pas à se décider pleinement sur elle. À son verset, paragraphe 12. Alors que les parents n'étaient pas, n'arrivaient pas à se décider pleinement sur elle, qu'elle devait partir ou non. Avec un homme inconnu. Pour devenir la femme d'un homme qu'elle n'avait jamais vu. Rebecca fut soumise au test final. Ils ont dit, faisons venir la jeune fille, laissons-la parler elle-même. Nous attendrons de sa bouche, oui, il ira. C'est ainsi que cela produit pour toute la postérité de Dieu. Et cela doit venir
cela doit venir de votre bouche. Dieu veut vous entendre parler. Mungu anapenda ukusikia useme wewe mwenyewe. Béni soit le Seigneur Jésus. Amen. Ainsi, lorsqu'elle fut mise à l'épreuve, pale bakamujaribu, Branham déclare, elle n'hésita pas par un seul instant. Ye, akubisha ta wakati moya. Elle a dit, j'irai. Akasema, minta enda. Branham dit, j'aime cela. Asema, mina penda non ile. Pas, laisse-moi me décider. Asema, pana, mnyache, non pas, laisse-moi réfléchir là-dessus. Mais Branham déclare, elle était pleinement persuadée. Alikuwa na kikisho tele. J'ai besoin d'un jeune homme pleinement persuadé. Minapenda vijana mwenye kuwa na kikisho tele. Que le message est la vérité. Na kwamba ujumbe ni kweli. Peu importe la corruption de cet âge. Hata kama waribifu wa wakati. Peu importe la décision de la famille. Hata kama jamaa inasema nini. Moi, j'irai avec le message. Ni entenda na ujumbe. Vous pouvez me chasser de votre église. Hata mwenye nifukuza mkanisa yenu. Mais j'irai avec le message. Mi nitaendelea na ujumbe. Vous pouvez me chasser de votre maison. Nifukuze mnyumba yenu. Mais j'irai avec le message. Lakini nitaenda na ujumbe. Oh, femme. Dada. Vous pouvez crier à votre mari si l'indécile. Chassez-moi, mais j'irai avec le message. Et nous avons besoin des hommes et des femmes pleinement persuadés. Ne suivez pas la conviction de vos maris, femmes. Ne suivez pas la conviction de vos femmes, vos maris. Donnez-vous la parole du Seigneur Jésus. Que vous soyez rejetés, abandonnés dans ce monde. Restez avec le message de Branham. Et Dieu prendra soin de vous. Et je vais vous entendre dire amen. Amen. Elle était pleinement persuadée. Branham déclare, voilà les gens que Dieu peut utiliser. Ceux qui sont pleinement persuadés que Dieu tiendra sa promesse. Elle a dit, j'irai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme elle était pleinement persuadée. Et quand les membres de la famille se sont approchés pour prononcer les dernières bénédictions et lui envoyer la bénédiction, Branham déclare que les membres de l'église, ses parents et ses frères, ont été tellement inspirés qu'ils ont dit à Rebecca, puisses-tu devenir des myriades et des myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Et je vous dis que cette inspiration est tombée sur une personne convaincue. Et j'ai demandé au Seigneur et je prie que si Life Tabernacle peut être composé de femmes et des hommes convaincus. Nos problèmes vont terminer de soi. Nos différents. Si on est convaincu du message. Je peux être embrouillé. Le diable peut me donner, m'enflammer, me donner des colères ainsi de suite. Mais quand je reviens, je regarde le message. Je regarde ça. Pardonne-moi, frère. Pourquoi? Je suis convaincu que ce n'est pas le message. Si j'ai mal fait, je reconnais que j'ai mal fait. Que ce soit devant moi, ma femme, que ce soit devant mes enfants, je reconnais que j'ai mal fait. Parce que je suis convaincu que ce n'est pas le message. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui ne sont pas convaincus du message. Oh, et pourtant, ce dimanche, on s'attendait à parler des choses qui pourraient quand même susciter l'enthousiasme sur les gens. C'est bien. Mais vous devez avoir un fondement. Vous devez avoir un fondement sur lequel vous marchez. Vous savez, dans nos assemblées, si vous suivez beaucoup de femmes qui ont perdu leur mari, c'est difficile de voir ces femmes-là rester à la parole. Continuez avec les messages. Des fois, elles quittent les messages, elles se marient n'importe où, elles abandonnent, vous les trouvez avec les comportements changés. Pourquoi? Elles n'étaient pas convaincues du message. Béni soit le nom du Seigneur. Amen.
Nous avons besoin des hommes et des femmes convaincus. Que ceci est le message. Et le message est venu pour me préparer. Le message est venu pour moi. Si ce n'est pas votre message, je peux dire que c'est mon message à moi. Parce que j'ai la pleine conviction. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Amen. Et regardez dans ce temps du soir. Quelque chose qui est arrivé sur une femme croyante qui croyait ce message de Frère Branham. C'était la sœur Atidrop. Elle était vraiment donc malade du cancer de côlon. On avait prié pour elle, elle essayait de se rétablir. À un certain moment, la situation est devenue critique. Elle était mourante. Mais comme on devait aller là où Frère Branham était, chemin faisant, elle faisait de l'hémorragie. Mais dans son inconnue, elle dit à son mari, à ses enfants, même si je meurs en route, même si je meurs sur le chemin, amenez mon cadavre devant Frère Branham. Alléluia! Pourquoi? Pleinement convaincu. Et quand elle est entrée là-bas, Frère Branham du haut de la chair, on lui signifia, il y a un cercueil, il y a un cadavre dans la salle. Et on lui dit que la sœur disait, même si je meurs, amène mon cadavre devant William Branham. Et Branham déclare, Dieu a honoré sa foi. Dieu a honoré sa foi. Pourquoi? Convaincu et concerné. Et il y a la pleine conviction que Dieu peut faire quelque chose. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Amen. Ce sont ces genres de personnes. Ce sont ces genres des hommes que nous avons besoin d'avoir au milieu de nous. Ayant la pleine conviction, même si je meurs, amène mon cadavre devant William Branham. Et nous sommes censés arriver à un certain point d'avoir la pleine conviction. La femme dont nous parlons, la reine de Séba, qui est venu de l'extrémité de la terre pour contempler et voir la sagesse de Salomon. Le Seigneur en a parlé de lui. Le Seigneur a parlé de lui. Il a dit, la reine du midi se lèvera au jour du jugement. Avec cette génération, elle la condamnera parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. J'aimerais attirer votre attention, cher ensemble, des quelques paroles de William Branham, des quelques commentaires de Frère Branham sur cette reine de Séba, la reine du midi, qui avait quitté l'extrémité de la terre pour aller en Israël et s'assurer de ce grand don dont il avait entendu parler. Dans son message, Dieu manifestant ses dons, prêchait le 5 août 57. Écoutez ces quelques commentaires de Frère Branham. Et c'est par là que je vais mettre fin à cette pensée, à ces commentaires. Branham déclare au verset 21. Finalement, là, dans loin, dans la partie la plus éloignée du monde connue à l'époque. Un endroit nommé Séba. Il y avait une petite reine là-bas. Elle était une païenne idolâtre. Mais quand les hommes passaient, lui parlent en parler. Vous devrez voir ce qui se passe en Israël. Ils ont un don de la part de Dieu. Oh, ce don est merveilleux. Vous devriez voir cela en action. Elle s'est mise à se poser des questions. Les passants suivants lui disaient, oh, nous sommes arrêtés dans votre voyage, dans notre voyage. Quelque part ailleurs, reine, mais nous sommes juste passés par Israël. Vous devriez voir ces dons merveilleux. Branham déclare, et bien son cœur a commencé à se rendre compte, car la foi vient de ce qu'on entend.
et frère Branham déclare, et quand il a entendu parler de ce grand homme, quelque chose a commencé à se former dans son cœur. Oh, et je crois ce matin, amen, si vous entendez la pire parole, quelque chose se commence à se former. Amen. Qu'est-ce qui se forme en vous? C'est la parole éternelle qui était au commencement. Qu'est-ce qui se forme en vous? C'est la nouvelle naissance. Un corps, parole doit se former en vous aussi longtemps que vous entendez la parole. Est-ce que je peux entendre la même? Quelque chose a commencé à se former en lui. Oui, mes amis, frères et sœurs. Elle voulait découvrir. Elle voulait découvrir par elle-même. Elle n'était pas satisfaite de s'asseoir à la maison. Elle n'était pas non plus satisfaite avec des idoles. Elle voulait partir voir d'elle-même. Oui, ayant la pleine conviction. Elle ne voulait pas rester à la maison ni contempler ses vieilles idoles dans son église. Elle Elle voulait voir un Dieu en action. Elle voulait voir une religion qui touche le cœur. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Je commence à me sentir religieux maintenant. Amen. Puis, elle s'est décidée de ne pas aller pour critiquer. Je vais donner les instructions. Elle n'est pas venue pour critiquer. Si vous venez dans une réunion pour critiquer, vous allez voir des choses à critiquer. Si vous venez dans le chantier pour critiquer, vous allez voir les choses à critiquer. Êtes-vous avec moi? Branham déclare. Puis elle s'est décidée de ne pas aller pour critiquer. Beaucoup de gens vont voir un don de Dieu en action. Ils se décident avant d'arriver là qu'ils n'auront rien à faire avec la chose. Je ne suis pas pour ça. Ça s'est fait beaucoup. Ce n'est pas une bonne attitude, restez chez vous. Je crois de tout mon cœur. Dieu va nous surprendre à cet endroit. Un temple sera construit ici, terminé. Amen. Amen. Que le diable veuille ou pas, je me tiens sur la parole du Seigneur. Amen. Demandez et il vous sera donné. Amen. Oui, mes amis, une seule soirée règle la question. Je vais te m'arriver là-bas, mais je ne suis pas pour ces choses-là. Branham déclare, c'est la raison pour laquelle il n'arrive nulle part. Ce qu'ils ont fait au sujet du Seigneur Jésus. Mais cette petite reine s'est décidée d'aller tout vérifier. Elle a pris des dispositions pour aller voir ce grand homme. Voir si cela était la vérité ou pas. Si c'était la vérité, elle prendra position pour la chose. Si ce n'est pas la vérité, elle n'aura rien à faire avec la chose. Branham nous conseille, c'est une bonne façon d'y penser. C'est l'approche qu'il faut venir voir si c'est la vérité. Si c'est la vérité, je vais me conformer à ça. Un homme peut avoir des prétentions sur tout. Mais l'histoire change quand Dieu témoigne que c'est la vérité. Alors, bien sûr que la veille des critiqueurs, les gens disaient, sans doute en rapport avec ça, voulez-vous dire que vous montez là vers un fanatique emballé par des émotions mentales comme cela? Les membres de sa famille, les membres du royaume pouvaient la décourager. Mais vous êtes ici, vous êtes à l'aise, vous êtes la reine. Mais pourquoi aller en Israël? C'est très loin. Il y a un homme emballé par des émotions appelé Salomon. Il n'y a rien de spécial. Mais quelque chose dans son cœur
a commencé à l'inciter. Kintu kimoya ndani ya roho kilianza kumukazisha sema ende paka. Qu'elle devait aller voir d'elle-même. Unapasha kwenda paka na uone. Oh, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Amen. Écoutez ces quelques conseils de frère Branham. Usikie mashauri ya nabii. Parce que j'ai tiré des leçons dans cette histoire, mes amis. Nilipata maarishi. Et frère Branham dit, or venir à Dieu n'est pas une chose facile. Asema kuya mbele ya Mungu aina mambo mwepesi. Comme on le penserait. Vile bantu wanawezi kuwazia. Venir à Dieu ce n'est pas une chose mbele ya facile Mungu, comme on le penserait. Aina mambo mwepesi vile bantu wanawezi comme les gens essayent de vous le présenter. Vile bantu wengi wanapima kuonesha. Eh bien, allez carrément de l'avant en tout cas, adhérer à une église. Wende tu kumbele na ungane na Branham kanisa. Précise, ça c'est une histoire du diable. Na bien nasema hii ni arishi ya shetani. Venir à Dieu, ce n'est pas une chose facile. Kuya mbele ya Mungu haiko mambo mepesi. Et je vous dis que venir à l'église, c'est une chose facile. Lakini kuya mkanisa ni mambo mepesi. Mais venir à Dieu, ce n'est pas une chose facile. Lakini kuya mbele ya Mungu haiko mepesi. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Amen. Oui, frère Branham continue en disant, il y a un grand prix à payer. Kuna kuya bei kubwa ya kulipa. Le salut est gratuit, c'est vrai. Mais il vous faut d'abord vous débarrasser de beaucoup. Asema okovu kweli ni abule lakini naomba wachane na bintu bya mingi. Mais le salut est gratuit, c'est vrai. Okovu kweli ni abule. Il y a beaucoup de choses dont vous êtes censé vous débarrasser. Bintu bya mingi bila unapasha kuachana navyo. Vous êtes censé confesser vos péchés. Unapasha kukiri madhambi yako. Vous êtes censé vous repentir. Unapasha kutubu. Vous séparer de mauvaises amitiés. Wachana na barafiki babaya. Vous séparer de votre commérage. Wachana na kabwa wenu. Vous séparer de vos critiques. Wachana na mashimango. Vous devez naître de nouveau. C'est un prix à payer. Inakuwa ni bei ya kulipa. Oh Dieu, sauve mon âme, Seigneur. Mungu, okoa vous écoutez yango. La parole. On dit, repens-toi, allez restituer les choses que vous avez volées. Manasema, et vous êtes censé prendre les choses volées et vous allez restituer dans l'entreprise. Ce sera un pays, un prix à payer. Pino riba, unenda kurudisha mule mukampuni ni bei ile unakuwa na lipa. Je ne sais pas si l'église me comprend. Amen. Venir à Dieu, ce n'est pas une chose facile. Mais venir à l'église, c'est diabolique. Venir à Dieu, il y a un prix à payer. Vous devez tout confesser à votre mari. Vous devez ranger vos vies. Vous devez vous mettre en ordre. Amen. 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 Il y a un prix à payer quand on vient à Christ. Vous devez rester à l'hôtel. Vous priez. Vous pleurez et des fois la mort vers le souhait se mélange et vous gémissez pour parvenir à Dieu. Aujourd'hui le christianisme est mal présenté. Non, mes amis, il y a un prix à payer et payer ce prix à l'hôtel. Je serai un misérable si je pouvais venir dans un matin glorieux comme celui-ci et pouvoir vous parler des choses pour vous réjouir. Je serais malheureux. Vous êtes censé vous débarrasser avec beaucoup de choses, beaucoup de choses. Vous devez quitter les amis. Quitter la mauvaise compagnie. Tout ça, c'est dire. Vous devez prêcher la parole et les gens vous quittent. C'est un prix à payer. Oui, mes amis. Eh bien, il avait des difficultés en chemin. La première était son propre peuple. Quand cette femme a quitté le pays lointain. L'extrémité du monde dans ce temps-là. Il est venu pour voir la sagesse de Solomon. Mais le chemin qu'il avait emprunté était plein de mauvaises choses. Et il l'a critiqué, l'exomnieré probablement de leur communauté. Oh. Mais quand Dieu agit dans le cœur d'un individu, il n'y a rien au monde qui puisse l'éloigner de lui. Amen. Dieu opère de façon mystérieuse. Quelque chose a réellement frappé le cœur de cette petite femme. Amen. Amen. Nous devons voir que le chemin qu'il avait emprunté pour arriver à Salomon, ce n'était pas une chemin facile. Paragraphe 25, frère Branham déclare, elle avait 3 mois de voyage. Par tous les déserts.
par route dans le désert, sur le dos d'un chameau, trois mois sur du sable brillant au désert. Mais elle avait un prix à payer. Cette femme qui se lèvera au temps de la fin pour condamner les gens. Il traverse le désert brillant. Il sera non pas dans une limousine, dans un meilleur Cadillac, mais sur le chameau. Sur le chameau. Une autre chose, elle était une femme avec tous ses voyages. Et aussi dans le désert, en ce temps-là, il y avait des fils d'Ismaël. Ils étaient là et c'était des brigands. Vous comprenez que la femme a dû passer par des moments critiques. Aujourd'hui, vous vous plaignez pour faire quelques kilomètres pour venir à l'église. Que Dieu puisse nous venir au secours. Mais, Branham déclare, la femme s'est décidée de ne pas aller main vide. Et on ne vient pas à l'église main vide. La parole déclare, ne venez pas devant l'Éternel main vide. Chacun apportera d'après la bénédiction que Dieu lui a accordée. Voilà pourquoi nous payons nos dîmes et nous payons les offrandes à l'église. Est-ce que vous les croyez comme ça? Elle s'est décidée de ne pas aller main vide. Alors elle a fait charger ce chameau avec des richesses. Elle a pris de l'encens, de l'or et de l'argent. Elle a pris de la myrrhe et les parfums les plus précieux qu'il y avait dans son royaume. Car elle se disait dans son cœur que si c'est de Dieu, si c'était de Dieu, elle voulait donner à Dieu le meilleur qu'elle avait. Et mes amis, je vous déclare ce matin, nous devons donner à Dieu le meilleur que nous avons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Amen. Ne venez pas main vide. Mais je veux dire ce matin, pas seulement l'argent, mais plus que l'argent. Plus que l'argent. Je demande plus que l'argent. Donnez à Dieu plus que l'argent. Fleur Branham déclare, si seulement cette église chrétienne aujourd'hui pouvait avoir de telles pensées dans son cœur, le Dieu du ciel mérite le meilleur de tout ce que vous avez. Est-ce qu'il y a des croyants qui peuvent dire amen ce matin? Amen. Le Dieu du ciel mérite le meilleur de tout ce que vous avez. Le meilleur de votre temps. Amen. Le meilleur de votre temps. Toute votre dévotion. Tout ce que vous êtes. Vous le devez à Dieu. Alléluia. Amen. Combien de temps tu te mets dans la prière? Combien de temps tu as pour lire la parole? Combien de temps tu as pour te consacrer à Dieu? Et le Dieu Tout-Puissant mérite le meilleur que nous avons. Dieu mérite notre temps. Notre temps est perdu aujourd'hui. Gaspillé avec les TikTok. Gaspillé avec les Facebook. Et non, alors que Dieu demande notre temps. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Amen. Il est Dieu, il ne change pas. Amen. Branham déclare, nous donnons à Dieu peut-être quelques minutes le dimanche. Nous sommes le dimanche, n'est-ce pas? Nous nous asseyons là et puis nous nous endormons pendant que l'enseignant de l'école du dimanche enseigne. Regarde à côté là. Votre enseignant de l'école du dimanche est en train de donner des leçons. Et vous somnolez. Est-ce moi qui dis ça? Est-ce moi qui dis ça? Est-ce moi qui dis ça? Et vous venez à l'église, on prêche. Disgrâce. Disgrâce. Si vous savez les efforts qu'un prédicateur conjugue pour apporter son évangile. Je relis.
Et vous dites amen. Nous nous asseyons là. Nous asseyons et puis nous nous endormons pendant que l'enseignant de l'école dimanche enseigne. Et nous rentrons à la maison et nous pensons avoir fait notre religion pour la semaine. Brenham Paul s'exclame en disant: quelle disgrâce! Quelle disgrâce! Brenham déclare: je sais. J'ai la réputation d'être dur. Je ne suis pas dur. Mais ce qu'il y a, c'est que je dois me tenir au jugement avec chacun de vous. Prenons à quelle réputation dans le monde d'être Dieu. Baranama, Branama, Mamumaini, Utunimkole Shama. Banajua sema ye, anakazisha mambo. Jimukole Shama lutu. Asema mishi kazisha mambo. Jinji mumanya nchani. Lakini kile mina jua. Mujitu kujakunji lungululu. Siku ya hukumu. Nani mani ni umo wenu boss. Mita shimama na kila umoja wenu. Je vais me tenir avec tout un chacun de vous. Au jour du jugement. Kusiku ya hukumu. Et c'est pour cela que frère Chima est jira. Jopa le ndugu chime kwa wanguvu. Je suis dur, même en pleine construction, je suis dur. Nata kisha majengo tendela kuwa paka wa makari. Parce qu'en réalité, Jumu kweli, ce n'est pas vous qui construisez. C'est Dieu qui construit au travers de vous. Ni Mungu ndio anakuwa anajenga kupitia mwe. C'est Dieu qui vous emploie. Ni Mungu ndio anayeleba. C'est Dieu qui vous utilise. Ni Mungu ndio anayeleba. Si vous vous refusez, il doit utiliser quelqu'un d'autre. Kama unakatala atatumikisha mtu mwingine. Je dois me tenir au jugement avec chacun de vous. Mais comment vous devriez être sérieux, mes amis? Mais comment vous pouvez entendre de telles déclarations de William Branham et demeurer dans votre forme là-bas, demeurer dans vos décisions, demeurer dans votre vision? Est-ce que toi, tu es prêt pour affronter William Branham au jour du jugement? Oui, ou t'as quoi tayari kushimama mbele ya nabii siku ya hukumu au? Apana warafiki. Maombi yangu ya kwamba tushifikie kule. Recevez le message de tout votre cœur. Pokea ujumbe na roho yako yote. Branham déclare. Nabia nasema. Demain matin, cet enregistrement fera entendre tout ce que j'ai dit. Ce qu'on avait enregistré là. C'est ce que nous attendons ce matin. Et s'il y a un petit magnétophone qui fait entendre ce que j'ai dit ce soir, quand sera-t-il à la barre du jugement? Quand l'écran enregistreur de Dieu qui a enregistré ma vie jouera. Et votre enregistrement et l'enregistrement du monde et l'écran et l'écran de télévision qui est au ciel et que votre vie sera devant Dieu et le monde entier. Je crois qu'il y aura un jugement. Dans ce jugement là, Dieu va élever son écran mondial. Il fait passer votre vie sur l'écran de Dieu. Dieu lui-même regarde et le monde entier voit votre vie. Tout ce que tu as fait, ça passe. À la fin, condamné, rejeté. Branham déclare: je préférerais être juste ici même et être honnête. Mina penda kuwa tu muwaki pale tuingariki hapa. Mes amis, rafiki benye kwa naimba. Soyez juste honnête. Muwe banyofu na benye kunyoloka. Ne vous embrouillez pas dans des petits tiraillements. Mushivurukiwe mutule tumabintu kiloko kiloko. Les uns les autres. Muvumiliane bamoja na bengine. J'aimerais être juste. Mina penda kuwa muwaki na munyofu. J'aimerais que tu sortes ce matin. Mina penda utoke j'aimerais être juste. Mina penda kuwa muwaki na munyofu. Parce que le jugement vient. Ju siku ya hukumu iko na kuya. Il
J'ai dit qu'il y a beaucoup de choses que j'ai trouvées ici. Je termine par là. C'est mon message que je prêche. Paragraphe 27. Branham déclare. Si Dieu est Dieu. Est-ce que vous le croyez qu'il est Dieu? Amen. Est-ce que vous le croyez qu'il est Dieu? Amen. Branham dit. Si Dieu est Dieu. Il mérite tout ce que vous êtes. Si la religion chrétienne est juste, elle mérite tout ce que vous pouvez faire pour elle. Par conséquent, qu'est-ce que vous devez faire? Branham dit, moi je lis et vous dites amen. Soutenez votre Église. Shimamia usaidie kaisa yako. Ici j'ai beaucoup besoin de grands amen. Hapa mimi nasema museme amina. Soutenez votre pasteur. Na mushimamie pastori wenu. Je vais dire clairement. Amen. Soutenez frère Chim. Musaidie pastori Chim. Ah, vous dites pas amen. Amen. Si Dieu est Dieu, kama Mungu eko Mungu, montre-moi que Dieu est Dieu. Munyonesha sema Mungu eko Mungu mukunisaidia mukunishimamia. Est-ce que les croyants de Branham peuvent dire amen? Amen. Soutenez vos missionnaires. Mushimamia na musaidie bale ba missionnaires. Amen. Amen. Soutenez vos missionnaires. Musaidie bale ba pasha injili. Faites tout ce qui est en votre pouvoir. Mufanye biote. Et donnez à Dieu le meilleur que vous avez. Donnez à Dieu le meilleur que vous avez. Cette petite païenne a dit, si c'est Dieu qui a suscité, c'est un don puissant. Alors il est Dieu. Je lui donnerai un présent, le meilleur que j'ai. Et a fait charger ce chameau d'or. L'encens de myrrhe, d'argent et beaucoup de choses précieuses. Alléluia. Amen. Si Dieu est Dieu, donnez-lui le meilleur que vous avez. Eh bien, il a pris avec elle une petite troupe d'hommes. Ces gens qui l'accompagnaient dans les voyages ne formaient même pas une poignée. Il ne tiendrait même pas une demi-heure dans une bataille devant ces grands groupes d'Arabes là dans le désert. Mais c'est un chemin rocailleux. C'est un chemin plein de dangers. Venir à Christ, c'est dur. Elle devait quitter à l'extrémité de la terre. Allez dans une autre extrémité de la terre. Oh mes amis, je ne sais pas si vous vous rappelez le dimanche. Il y a une femme qui a fait 5 000 kilomètres pour venir. 5 000 kilomètres en Jouakouya. Parce que le plus seulement est ici aujourd'hui. Jouakouya la chine à Salomon. Oh, je sais moi de mettre cette côté de pensée. Amen. Oui mes amis. Mais les gens, la poignée de personnes qu'il avait, ça ne pouvait pas faire face aux attaques des Arabes. Il est un brigand qui était sur le chemin. S'il savait qu'il traverserait là avec toute cette richesse, ils arriveraient en chevauchant et massacreraient ce groupe. Mais voici ce qu'il s'est dit. Oh, je suis sauté quand je suis tombé sur ceci. Je prépare à quelqu'un ce matin. Voici ce qu'elle s'est dit. Moneni kile alikuwa anajisemea. Si ça vient de Dieu, kama inatokea kwa Mungu, alors kumbe Dieu Mungu yeye mwenyewe prendra certainement soin de moi sur la route. Atenyangaikia yeye mwenyewe njia yote mzima. Si ça vient de Dieu, kama tu hii mambo inatokea kwa Mungu, Dieu Mungu prendra soin de moi sur la route. Wa tenyanga ikia mubalabala yote. Si le message vient de Dieu, kama hii ujumbe natokea kwa Mungu, prendra soin de moi. Yeye mwenyewe watenyanga ikia. Si la Bible est la vérité, kama Biblia ni ya ukweli, Mungu prendra soin de moi. Yeye mwenyewe tenyanga ikia. Si Jésus est Dieu manifesté en chair, kama Yesu ni Mungu anaonekana, Mungu prendra soin de moi. Yeye mwenyewe tenyanga ikia. Et
déclare, j'aime ce genre de foi. Si ça vient de Dieu, placez votre âme entre ses mains et avancez. Est-ce que vous croyez que le message vient de Dieu? Amen. Est-ce que vous croyez que le message est la vérité? Amen. Alors, le Dieu de Branham prendra soin de toi. Et il nous a dit la fois passée, peu importe ce qui vient devant moi, Dieu y fera face. Branham dit, il prendra soin de vous. Mais vous devrez dire amen, n'est-ce pas? Amen. Bambani nzambi nachuka mahali wewe. Wewe kachwa tangu. Bana sema Mungu ndio atangaikia mambo yako. Wewe tangia ulifunga mikono yako. Ça vous dépasse. On a trop pitié. Ça vous dépasse encore. Iko na kupitia au. Je Mungu prendra soin de vous. Yeye mwenyewe atakuhangaikia. Je veux que ça comprenne que mimi napenda mwenyewe. Je mimi nasema Mungu prendra soin de vous. Yeye mwenyewe atangaikia mambo yako yote. Même si tous les membres de la famille sont contre toi, Atakama jama yako yote muzime na kukatala, Mungu prendra soin de toi. Atakuangaikia yeye mwenyewe. Même s'il y a la crise dans la ville, Atakama mateso na pita mjini, Mungu prendra soin de vous. Atakuangaikia yeye mwenyewe. Même si tout le monde se plaint, Atakama bantu bote banakuwa na mateso, Mungu prendra soin de vous. Ye atakuangaikia yeye mwenyewe. Femme, dada, Dieu, Mungu prendra soin de vous. Ye mwenyewe atakuhangaikia. Je vais dire quelque chose. Mimi napenda kusema kitu fulani. Je vais donner une semence. Niko naleta mbeko. La femme de Sarepta. Ule dada wa kusarepta, ule mjane. Et Anne dans le temple. Na Anne mule mwekalu. Vous avez déjà lu leur histoire. Mulisha somaka arishi yabo. Elle a perdu son mari akapoteza bwana yake alors qu'elle avait quelque chose de 18 ans. Japo alikuwa na miaka 18. Elle est restée veuve. Akabakia mujane avec un enfant. Na mtoto moya tu. Servant l'Éternel. Mwenye kwa natumikia wa milele. Veuve depuis 18 ans. Mujane tangia miaka 18. Et Dieu na Mungu a pris soin d'elle. Akamwangaikia maisha yake yote mzima. Quand les hommes mouraient de faim. Wakati bantu beko nakufwa na njala. De la sécheresse. Na kipwa. Cette femme alors que une petite poignée d'huile et qui était dans la cruche et quelque chose qui la farine qui était dans le pot c'est allait se vider. Dieu a pris soin d'elle. Ile bunga kidogo limubakiria na mafuta Mungu akaendelea kumhangaikia. Si les affaires que vous faites sont louches, abandonnez ça et Dieu prendra soin de vous. Kama ile makazi kunafanya haiko mzuri achana nayo na Mungu atakuhangaikia. Si c'est du vol, laissez ça. Kama ile kazi Dieu prendra soin nayo, Mungu yeye mwenyewe atakuhangaikia. Est-ce que je peux entendre la mère? Amen. Et vraiment en déclare. Na bien nasema. Vous n'avez pas à vous inquiéter. We, aupashe kusikitika. Il veillera à ce que vous arriveriez très bien. Ye atafanya kwamba we ufike mzuri. Frère Branham déclare. Du Branham anasema. Peu importe ce que votre voisin dit. Hata kama jirani wako anasema nini. Ce que celui-ci dit. Kile fulani atasema. Conduise que vous êtes une poule mouillée. Anasema kwamba uko mkubwa kulobana. Parce que vous êtes devenu un chrétien. Je unakuwa mkristo. Ne faites pas cas de cela. We apala kuangalia hivi. Je a fait l'appel. Mungu njo anakuita. Branham déclare. Bien anasema. Je est tenu. Mungu anapashwa. De veiller sur vous. Anapashwa kukuhangaikia. Jusqu'à au bout. Si na kumwisho. Croyez en lui. Weye umwaminie tu. Il veillera sur moi. Ye atakuhangaikia. Il veillera sur vous. Atakuhangaikia. Pas à moitié du chemin. Katikati ya njia tu. Mais jusqu'à au bout. Si mpaka na kumwisho. Et que les croyants disent amen. Amen. Et ce matin. Aïe asubuhi. Je prendra soin de vous. Mungu atakuhangaikia. Jusqu'à au bout. Si mpaka na kumwisho. Alléluia. Amen.
Vous voyez que moi je crois un message dont je vais avoir peur déjà. Le message que moi je crois, je peux avoir peur de la mort. Non. Dieu prendra soin de moi jusqu'au bout. Amen. Ne crains rien. Je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. Non, jamais, tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus m'en sauveur. Me garde, je ne suis jamais tout seul. Alléluia. Amen. Branham continue en disant. Na bien endelea mkusema. Elle s'en est allée. Na ule dada akaenda. Or. Elle n'a pas traversé à bord d'une Cadillac climatisée, mais elle était assise sur le dos d'un chameau. Quel voyage pénible! Finalement, elle est arrivée à la porte. Eh bien, elle n'était pas venue juste pour passer une soirée dans le réveil. Elle était venue passer. Ou rester jusqu'à ce qu'elle soit totalement convaincue. Elle n'est pas venue, non, je vais ajuster seulement, entendre seulement une parole là-bas, une prédication. Si ça ne m'intéresse pas, je rentre. Non, elle est venue rester jusqu'à ce qu'elle soit totalement convaincue. Un jour, Frère Branham prêche le message. Quelque part, l'onction était dans la salle. Il prêchait. C'est-à-dire, à la fin, il dit, « Oh, en prêchant, moi-même, j'ai eu la conviction. » Venez au message de Branham. Jusqu'à ce que vous soyez convaincus. Croyez le message jusqu'à ce que vous soyez convaincus. Et quand vous êtes convaincus, on vous baptise. C'est pourquoi nous avons baptisé des gens indécis, non convaincus. Et les décors sont nombreux. Oh, mes amis, Frère Branham déclare, il y en a qui viennent au service de guérison et disent, eh bien, si j'obtiens une carte de prière, et que j'entre dans la ligne de la prière, la première soirée, ça va. Sinon, eh bien, je dois rentrer, je dois retourner. Vous y êtes? Et Frère Branham dit, mais elle est venue tout vérifier. Béni soit le nom du Seigneur pour ce genre de foi qui est déterminé à ne pas être vaincu. Alors, vous êtes sûrs. Vous lisez les messages de Branham jusqu'à être convaincu. Ah, c'est la vérité. Vous écoutez un prédicateur jusqu'à ce que vous soyez convaincu qu'il a quelque chose qui peut m'aider. Amen. Pour être convaincu, oui, je termine dans quelques moments. Paragraphe 30. Il a fait décharger ses chameaux. Il a fait dresser une tente dans la cour. Il a dit, je verrai de moi-même. J'ai entendu parler de ce grand discernement, Salomon qui vient de Dieu. Il a dit, Jéhovah Dieu.
Jéhovah Mungu. Si c'est la vérité, kama ni ukweli, alors j'ai tous ces dons. Kumbi, niku na ima zawadi yote, plus moi-même. Kisha na mimi mwenyewe. Et mon royaume. Kisha na ufalme yangu. Je lui donnerai cela si c'est vrai. Na minta kupatia hibi biote kama ni bia kweli. Le message de Frère Branham, c'est un langage. Ujumbe ya nabii inakuwa ni msemeo. Jehovah Dieu. Jehovah Mungu. Si c'est la vérité. Kama tu hibi biote ni ukweli. Alors. Kumbi. J'ai tous ces dons. Niko na ima zawadi yote. Plus moi-même. Kisha na mimi mwenyewe. Et mon royaume. Kisha na ufalme yangu yote. Vous croyez cela? Amen. Votre famille, c'est votre royaume. Jama yako njo ufalme yako. Mes enfants. Batoto yangu. Mon épouse. Bibi yangu. Shibote tutejitolea kwako. Mon argent. Makuta yangu ntakupa ayo. Mon temps. Wakati yangu ntakupa ayo. Si c'est la vérité. Kama tu ni ukweli. Ma sincérité, unyofu wangu, tout. Kila kitu. C'est pourquoi j'ai dit, pas seulement l'argent, aina paka mais makuta, plus que l'argent, kushindia na makuta. Parce que nous ne sommes pas ici pour l'argent. Nju, atuna hapa nju ya et makuta. Pourtant, l'argent est indispensable na japo makuta ni ya mafa. Pour certaines choses dont vous connaissez. Nju ya bitu bingine muna muna bile muna jua. Mais si le message est vrai, lakini kama ujumbe ni ya kweli, si la parole est vraie, kama neno ni ya kweli, si les dons est vrai, kama mazawadi ni ya kweli, moi, mie, mes enfants, batoto yangu, mon royaume, ufalme yangu, et tout, na biote, tutakutolea bio. J'abandonne tout. J'abandonne tout, tout à lui mon sauveur béni, j'abandonne tout. Abandonnez votre royaume là. Beba ufalme yako yote umachirie yo. Tiens roi. Je sais, tu es un roi. Mina juo comme falme. C'est toi qui prends des décisions dans ta famille. Wenjo na bebaka mipango mujama yako. Tu es un roi, je ne conduis qu'on vient pas. Mfalme, mais venez avec vos royaumes. Lakini ubebele maufalme yote na mwachirie yo Mungu. Seigneur, Bwana, eyi soit le roi dans notre famille. Kuya kumbi mfalme wa jamaa yetu. Règne sur mes enfants. Wewe utawale pa mtoto wangu. Règne sur mon épouse. Utawale pa mimi mwenyewe. Utawale pa mimi mwenyewe. Utawale pa mawazo yangu. Mimi nakuachiria kila kitu. Hallelujah. Amen. J'aime ça. Branham déclare. Nabiana sema. Oui. Ndio. Elle fut complètement convaincue. Akikisho ilikuwa tele ndani mwake. Laisse-moi dire quelque chose. Mwache niseme kitu fulani. J'aimerais rester jusqu'à ce que je sois convaincu. Mina penda nibakie pale tina vile nitakuwa. Elle fut étonnée de voir la sagesse et le discernement dans cet homme. Akashangaishwa. Elle passa plusieurs jours. Akapitisha masiku mingi kule. Après que tout était fini, kisha pale biote elle fut pleinement convaincue. Alikuwa na kikisho tele. Elle allait faire décharger ses chameaux. Jo akatoshe le mizigo na ile mazawadi yote. Elle a donné cela pour la cause de Jehovah. Akapatia kwa ajili ya Jehovah. Elle a dit, na akasema, tout ce que j'ai entendu, biote bele nisikia, c'est vrai. Ni bia kweli. C'est plus que ce que j'avais entendu. Ni kushindia na bile nilisikia. Branham déclare. Na nabia anasema. Elle est venue avec un cœur ouvert. Akakuya na roho yake yenye kuwa wazi. Elle s'est présentée devant ce don de Dieu humblement. Akajonesha mbele ya ile zawadi ya Mungu. Il y a les gens qui viennent devant le message avec l'orgueil. Kuko bale bale unakuwa mbele ya ujumbe na kiburi. Quand vous venez à Dieu et devant les dons de Dieu, soyez humble. Kuya mnyofu na kujinyenyekeza. Quand vous venez consulter votre pasteur, soyez humble. Kama unakuya kuulizisha pastori wako, ujishushe. Vous ne venez pas m'informer vos décisions, venez demander les conseils de Dieu. Kuya kunyambia bila unapenda kufanya lakini uniulizishe. Soyez humble. Kuya mnyofu. C'est dur, hein? Ni ya nguvu ile. Vous ne venez pas me dire vos décisions, m'informer de vos décisions. Vous venez pour me consulter. À des moments, c'est ce que je fais. Si je vois que vous avez une décision, je ne dis rien. Kama mimi nasema ushakuchukua mipango yako shina na kile nitakwambia. Je vois que vous avez déjà unifié, planifié. Ushakutengeneza mambo yako yote. Si vous voulez pour me consulter, je peux vous donner les conseils de la parole et ce que je crois sur la parole. Na kile mimi naamini hapa neno. Mais vous venez avec des décisions déjà prises. Unakuya na yako mipango ushakuchukua mara moja, ushakutengeneza. Ah. Ça va, que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Et
Elle est venue avec un cœur ouvert. Elle s'est présentée devant ses dons de Dieu humblement. Vous savez que l'attitude que vous affichez envers un don de Dieu produit les résultats. Et vous savez comment mon cœur tremble si je vois que vous me consultez. Parce que je ne peux pas vous dire quelque chose qui est en dehors de la parole. Je dois m'attendre dans mon cœur pour sentir la voix du Saint-Esprit me parlant pour vous donner une réponse. Et Branham déclare, comme elle est venue humblement, Dieu s'est fait connaître à la reine. Et grâce à cet acte, Jésus-Christ a parlé au sacrificateur sanctifié, le grand docteur religieux, le rabbin, les évêques, le pape, je ne sais pas comment vous appelez cela. Il a dit, cette petite reine s'élèvera dans la génération au jugement et condamnera cette génération. Car elle est venue des habitants de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et ici, le Fils de Dieu était là, discernant les pensées secrètes de l'Éternel. Et vous dites, je suis Belzéboul. Amen. Il a dit, cette petite reine s'élèvera au jour du jugement et condamnera cette génération. Voyez-vous le parcours? Voyez-vous le prix qu'il a payé? Voyez-vous les difficultés qu'elle a rencontrées? Quand elle est arrivée dans la réunion, plus que convaincue, persuadée, convaincue, ayant la pleine conviction, qu'est-ce qu'elle a parlé au roi? Des Chroniques chapitre 9, verset 5, je termine par là. Quand elle a été convaincue, la Bible déclare, hors d'elle-même, étant hors d'elle-même, étant impressionné. D'autres traditions déclarent, elle a eu le souffle coupé. Convaincu. Elle est sortie d'elle-même. Elle fut impressionnée et étonnante. Elle a dit au roi, c'est donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Mes amis, je laisse moi quelque chose venir me dire. Écoutez tous les prédicateurs prêcher. Vous n'écouterez jamais dans cette terre quelqu'un prêcher comme William Branham. J'ai vous dit, allez écouter. Allez sur le net. Suivez tous les grands prédicateurs pentecôtistes. Vous n'entendrez pas un son particulier du message. Parce que le plus grand que Salomon est ici. Les gens faisaient des miles et miles. Les gens quittaient Géorgie. Les gens quittaient l'Afrique du Sud. Pour aller là où Dieu était manifesté dans la chair. Où Dieu est manifesté dans la chair. Le plus que Salomon, le Seigneur Jésus, incarné dans son peuple. Alléluia. Le dernier signe qu'Abraham a vu, c'était Elohim avec les dos tournés à la tente. Et ça, c'est un don pour un âge. Branham déclare, votre pasteur n'a pas ses dons. Alléluia. C'est le plus que Salomon. De nouveau sur la terre, pas étonnant que les gens faisaient 5 000 kilomètres. Représentez-vous 5 000 kilomètres pour aller assister à une réunion. Qu'est-ce qui attirait les gens?
mais plus que Salomon. Dieu dans la chair. Béni soit le Seigneur Jésus. Amen. Et c'est ce qui attire les croyants. Car nous avons compris que Dieu n'est pas au ciel. Dieu n'est pas dans le paradis. Dieu est venu marcher avec nous. Kutembea pamoja na sie. Chasser avec nous. Kulinda pamoja na sie. Dormir avec nous. Kulala pamoja nasi. Prêcher avec nous. Na kuhubiri pamoja nasi. Le grand Elohim. Le Elohim mkubwa. Manifesté dans la chair. Kuonekana ndani ya mwili. Plus que Salomon. Anashindia Salomon. Alléluia. Amen. Pas étonnant. Haiko ya kushangaza. Quelle est l'inspiration que Abraham a reçue. Ile maongozaji na dali pata. Sote deshi de toutes les options. Iko ya juu kushindia yote. Amen. Amen. Et la reine dit. Na malikia nasema. Et ce que je vois. Ibi mina ona. Ce que je vois. Ibi niko naona. C'est plus que j'ai, ce que j'ai entendu. Inashindia bila lilisikia. Amen, amen. Amen. Et le dit. Anasema. Erete Jean. Anasema baeri ababatu. Non. Par erete ces gens. Apana baeri ababatu. Errez tes gens. Les gens de Salomon. Et nous sommes les gens de Salomon. Nous sommes les gens de Branham. Et nous sommes errez. Que l'enfer réveille ou pas. Amen. Nous sommes errez. Alléluia. Amen. Branham déclare. Quand Dieu a envoyé un don sur la terre, ceux qui croient les dons, ceux qui croient les dons, ils nous ont droit à la prospérité. Alléluia. Amen. Ainsi dit le Seigneur. Ceux qui croient aux dons, vous avez droit à la prospérité. Amen. Vous avez droit à la joie. Amen. Vous avez droit à la paix. Amen. Vous avez droit à la victoire. Amen. Vous avez droit à toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Errez-tes gens. Baeri batu yako. Errez-tes gens. Ni baeri bale batu yako. Amen. Amen. Ôtez la main à la joue. Tosha. Écrivez dans votre chambre. Andika muchumba yako. Errez-tes gens. Écrivez sur votre mur. Andika pa kibambashi yako. Errez-tes gens. Baeri batu yako. Écrivez dans votre Bible. Andika ndani ya Biblia yako. Sur les premières pages là. Baile karke. Errez-tes gens. Baeri batu yako. Et ce matin. Na hii asubuhi. Je crois. Amen. Que s'il y a un peuple reste sur la terre. Amen. Oui, je le crois. Jésus heureux. Amen. Jésus heureux. Amen. S'il y a un peuple qui doit être heureux. Amen. C'est nous les croyants de Branham. Amen. 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 Oui. Oui, je vais dire quelque chose. Si ça se scandalise, c'est ces gens-là qui entendent ta sagesse. Amen. Qui sont contre devant toi. Qui écoutent les bandes. Qui saisissent l'onction. Heureux sont ces gens. Amen. Même quand vous avez entendu les bandes de dimanche là, vous n'êtes pas errés. Amen. Non, nous sommes errés. Amen. Oui, il y a quelque chose. Amen. Avec la voix du septième ange. Amen. Nous sommes censés être errés. Amen. Que vos enfants soient errés. Amen. Votre famille heureuse. Amen. Tes parents errés. Amen. Tes fils et tes filles errés. Amen. Soyez errés. Amen. Vivez errés. Amen. Marchez errés. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Moi, croyant du message, derrière un grand don comme celui-ci, je dors fatigué, je dors triste, je me réveille triste, ça ne concorde pas avec le programme de Dieu. Heureux sont tes gens. Amen. Nous sommes les gens de Branham. Tukobantu banabi. Comme Dieu a dit à Moïse, voici ton peuple. Angaria taifa yako yo hii. Nous sommes le peuple de Branham. Tukobantu ba Branham. Et nous sommes censés être errés. Tunapashwa kuya baeri. La foi Imani. Amène les choses qui sont dans l'éternité
et le fait quitter le monde invisible et ça devient visible. Amen. La foi. Votre attitude mentale correcte envers la parole fait sortir toutes les bonnes choses qui sont dans l'économie de Dieu et l'amener tout droit dans votre famille. Amen. Quand j'ai écrit les messages, j'avais écrit sur mon premier agenda, frère Chimangamulaya, croyant de la parole faite chair. Et je crois à la parole incarnée. Amen. Et je dois remporter la bataille. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui nous donne la joie d'être aimé? Alléluia. Amen. Je voulais sauter ceci, mais comme vous êtes maintenant dans l'esprit, je peux vous lire maintenant. Amen. La reine du midi, frère Barham déclare. Prêchez le 27 novembre 1960. Au paragraphe 68. Branham déclare, comment pouvez-vous rester tranquille? Que devons-nous faire? Vous voyez, vous pensez, oh, si j'avais vécu jadis alors, vous auriez le même sentiment que vous avez maintenant. C'est plus glorieux maintenant que jadis. Que jadis. Que jadis. Car c'était sur un seul homme. Ici, c'est sur tout le peuple qui le recevra. Est-ce que vous avez saisi? Amen. C'était pour un seul homme. Salomon. Maintenant. C'est pour quiconque le veut qu'il vienne. Amen. Dieu est la parole. Il s'incarne en vous. Il s'incarne en moi. Il nous donne des dons. Et par les dons, il se manifeste. Amen. Au temps de Salomon, Salomon une seule personne. Il est quoi, il moya. Mais maintenant, lakini Leo, la même lumière que je vois, nuru, je la vois sur cette femme là-bas. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Branham me regarde là et dit, je vois cette femme pleurer. La même lumière qui est ici, je la vois tourner sur elle. Elle pleure à cause de la lumière qui est sur elle. C'est la présence du Seigneur. C'est quoi ça? Le même Dieu qui était sur Salomon dans l'auditoire. La même onction. La même onction. Je vois cette colonne de feu sur cet homme en gravette rouge. C'est quoi ça? La chose est pour nous. Amen. Croyez cela. Amen. Acceptez cela. Amen. Et soyez serrés. Amen. 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 Frère Branham déclare, un plus grand que Salomon est ici, accomplissant le signe de sa résurrection. Là, il était fait chair. Les morts pour ôter vos péchés. Il est resté le troisième jour. Il est revenu sous forme du Saint-Esprit. Et les œuvres qu'il avait accomplies, il les accomplit en plein parmi les gens. Le même hier, aujourd'hui, Léo, éternellement. Alléluia. Amen. J'ai dit alléluia. Amen. Cela veut dire croire à Dieu. Amen. Oui, il est ici. Amen. 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 À part cela, regardez ce que la Dieu a chevré porte. Et beaucoup de ces endroits-là, les églises pentecôtistes, non seulement cela, mais errez ceux qui sont avec vous, qui se tiennent là et vous servent. Errez sont-ils? Car ceux-ci disent, ils voient ces choses arriver jour après jour. Errés sont-ils? Errés les hommes qui sont avec vous, qui se tiennent à vos côtés, pour voir ces dons opérer jour après jour. Errés. Errer. J'aime vous voir errer. Prêchant errer. Un peuple à errer. Oui, je crois quelque chose. Soyez errer. Amen. Ne tombez pas par terre. Même si vous êtes tombé, relevez-vous. Amen. Et dites, je suis errer. Mais quelle raison qui vous rend ainsi errer?
Parce que l'esprit qui était sur Salomon. Jou, il est roi, il quoi Dieu à Salomon. Est sur l'auditoire. Et pour quiconque croit. Na ote, mon mais mene. Vous êtes censé être erré, non? Mon je dis que vos péchés sont jetés dans la mer de l'oubli. Amen. Et le Dieu infini qui connaît la fin avant le commencement, il regarde un peuple autour du don, autour de Salomon. Quand vous êtes autour de Salomon, vous êtes sous la plus grande inspiration. Christ. Christo, la parole neno, incarnée kujingiza, dans son peuple, la véritable expiation. Et, quoi ondoleo ya et vos péchés na mazambi ont disparu. Et vos péchés mazambi sont introuvables. Na kuipata tena. Vos péchés zambi sont introuvables. Hakuna namuna kuipata. Dieu vous regarde. Kuangaria. Il dit anasema, oui, Dio, elle, uyu, jamais. Ni mutakatif. Elle n'a jamais aya commis l'adultère. Elle n'a jamais fumé. Aya futaka. Elle n'a jamais volé. Aya ibaka. Elle n'a jamais triché. Aya ibiaka. Pourquoi? Dieu a dit l'expiation. Ondoleo. J'ai dit quelque chose. Vous êtes censé être heureux. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Les titres de propriété incontestables. Les droits qu'avait Adam à la vie. Il est héri ya Adam ya kuzima. La divinité qu'avait Adam. Ule bumungu Adam alikuwa nao. Est restauré à l'homme. Unarudishiwa kwa mtu leo. Je suis censé être heureux. Ninapasha kuwa wa heri. Je le crois. Amen. J'ai des choses qui me rendent heureux. J'ai créé avec Elohim. J'ai dit, j'ai créé avec Elohim. Au commencement était la parole. Et qui était la parole? C'est vous qui étiez dans la pensée de Dieu. Quand Dieu voulait créer le monde, vous étiez là. Et vous avez créé avec Elohim. Amen. 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 Je dis quelque chose. Vous êtes censé être heureux. Pourquoi? Vos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau de façon indélébile. Amen. De façon indélébile. Il n'y a pas moyen d'effacer vos noms dans le livre de vie de l'agneau. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe ce qui vous est arrivé. Il est incapable à Jéhovah. Il est incapable à Jéhovah. D'effacer votre nom. Cela est écrit. De façon indélébile. Je dis à quelqu'un que tu dois être heureux. Amen. Pourquoi tu dois être heureux? Qui est la reine Esther? Qui est la reine Esther? Amen. Même la moitié du royaume peut vous être accordé. Ça dépend de ce que vous cherchez. Amen. Ça dépend de votre joie. Amen. Ça dépend de votre foi. Amen. Alléluia. Amen. Le roi lui-même a dit, tout ce que vous demanderez, biote bile mutaomba. Tout. Biote. C'est-à-dire, nikusema. Tout. C'est-à-dire, je dois être erré. Même la moitié du royaume, Dieu peut me donner. Dieu dit à David, sous le sang, des boucs et des taureaux. Quand David a détruit la femme de Sheba. Mais il dit à David, mais si tu avais besoin d'une autre femme, tu allais me demander, j'allais te donner. Est-ce que ce Dieu-là n'a pas changé? A changé. Si tu as besoin d'une promotion, il peut vous donner. Si tu as besoin des entreprises, il peut vous donner. Si tu as besoin de prospérité, il peut vous donner. Si tu as besoin de mariage, il peut vous donner. Si tu as besoin de n'importe quoi, il peut vous donner. Mais le paix d'argent pour construire ce tabernacle, c'est quoi? Alléluia. Amen. Ce n'est même pas la poussière de dollars de banque. Et ce matin, je suis heureux. Amen. Je me réjouis. Jouyez-nous. Hein?
Jean, je me réjouis jeune, comme je marche en pèlerin. Amen. Car dans toute ma vie, amen, je vois la main de Dieu. Et nous voulons voir la main de Dieu. Nous ne voulons pas nous arrêter au cantique. Amen. Nous voulons voir la main de Dieu. Amen. La main de Dieu bénit les gens. Amen. La main de Dieu sauve. Amen. La main de Dieu guérit. Amen. La main de Dieu change les situations. Amen. La main de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dans nos familles, amen, voyons la main de Dieu. Amen. À l'école, voyez la main de Dieu. Amen. À l'université, voyez la main de Dieu. Amen. Dans le travail, voyez la main de Dieu. Amen. Dans l'église, voyez la main de Dieu. Amen. Et soyez bénis, amen, vous les gens de Salomon. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Je me réjouis jour et nuit comme je marche. Alléluia. Pèlerin, oh, car dans toute ma
Amen. Nous allons garder silence. Amen. Vous devez rester là jusqu'à ce que vous soyez convaincus. Alléluia. Soyez persuadés comme Rebecca était persuadée. Soyez convaincus comme la reine de Séba était pleinement convaincue que les choses qu'elle avait entendues, c'était plus qu'elle avait entendu. Elle était convaincue que le don est réel. Et ce matin, soyez convaincus que ce message vient de Dieu. Ce message est venu vous préparer. Ce message, c'est la grâce de Dieu. Ce message, c'est l'amour de Dieu pour vous. Soyez pleinement convaincus et ne piétinez pas sur ce message. Honorez ce message. Respectez ce message. Alléluia. Soyez convaincus. Nous demandons à l'honorable Michel de pouvoir offrir la prière. Michel Chimweneke de pouvoir venir offrir la prière. Veuillez arranger l'autre micro là-bas pendant que nous suivons la prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu Bien-Aimé, auteur de la parole que nous venons d'entendre, Seigneur, nous venons auprès de toi, Dieu de la Bible, Dieu qui ne change pas, croyant que tu es le même, tu n'as jamais failli, Seigneur. Si tu as soutenu les gens autrefois, Seigneur de bien-aimé, qui ont pris cette parole au mot, je crois de tout mon cœur, Seigneur, que si nous pouvons aussi prendre cette parole au mot, Seigneur, tu nous soutiendras, Seigneur Jésus. C'est pourquoi, Seigneur de bien-aimé, ce matin, nous avons entendu, Seigneur, que nous ne pouvons pas faire quelque chose qui n'est pas une conviction. Si nous faisons quelque chose qui n'est pas une conviction, c'est un péché. Mais nous devons être sûrs et convaincus que ce que nous faisons, c'est la parole. Et si nous faisons quelque chose, c'est la parole de la parole, Dieu nous soutiendra certainement. C'est pourquoi, Seigneur Dieu bien-aimé, bénis ces quelques paroles que nous avons entendues, ô Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu bien-aimé, tous ensemble, ô Dieu, d'un commun accord, Seigneur Dieu bien-aimé. Nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu bien-aimé, nous lier comme un seul homme pour, ô Dieu de miséricorde, prendre cette parole au mot, prendre Dieu au mot, Seigneur Dieu bien-aimé, et voir les réalités du Dieu vivant. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu bien-aimé, je t'en supplie, Seigneur Dieu bien-aimé, laisse que cette parole, ô Dieu, puisse se former dans notre âme, dans notre cœur. Seigneur Jésus, Seigneur Dieu bien-aimé, l'objectif de chaque prédication, de chaque enseignement, c'est d'amener Christ dans le cœur des croyants. Oh Dieu, nous entendons le dire évangile, Seigneur, prêché par ton serviteur qui a pris, Seigneur, toute sa décision de prêcher ce message sans compromis, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, soutiens ton serviteur et laisse que nous qui entendons cette parole, oh Dieu, que nous puissions nous conformer à chaque parole, Seigneur divin, maître roi. Oui, l'Ambranama dit que si un peuple est déterminé sur quelque chose que Dieu a promis, nous ne pouvons pas manquer de voir, de palper des réalités, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons palper les réalités de ce message. Oui, Seigneur Dieu bien-aimé, William Branham a dit que les gens qui suivront ce prophète jouiront les fruits bénéfiques de son ministère. Amen. Et ils feront partie de l'épouse. Amen. Seigneur Dieu bien-aimé, nous voulons faire partie de l'épouse. Amen. L'épouse de temps de la fin, Seigneur. Amen. Accorde-nous cela, ô Dieu. Amen. C'est le souci, Seigneur de tout ça. C'est pourquoi ton serviteur se consacre. C'est pourquoi il étudie la parole. Oui, Seigneur Dieu bien-aimé, enfin, Seigneur de tout ça, que cette parole se forme en nous, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, Dieu Tout-Puissant, tu sais, Seigneur Dieu bien-aimé, que nous avons un programme de construction. Oui. Seigneur Dieu bien-aimé, du temps de Salomon, les gens, Seigneur de Tout-Puissant, se sont mobilisés. Oui, tu veux mettre roi pour construire un tabernacle.
tabernacle à l'honneur de l'Éternel. Dieu bien-aimé, Dieu tout-puissant, le tabernacle, ce n'est pas l'honneur d'un homme, c'est à l'honneur de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous devons, Seigneur, être d'un commun accord au Dieu, afin de travailler ensemble. Je sais, Seigneur de tout-puissant, que tu ouvriras les portes du ciel, et cela est déjà ouvert. Les bénédictions sont en train de tomber, afin que nous puissions terminer le tabernacle, oui, au plus vite que possible. Je le crois de tout mon cœur. Bénis ta parole, Seigneur. Bénis, Seigneur de tout-puissant, ton peuple. Oui, bénis le Life Tabernacle, oh Dieu. Bénis tout le monde, oh Dieu. Seigneur, notre Père, notre rocher. Bénis, Seigneur de tout-puissant, notre cher pasteur, que nous aimons beaucoup. Nous te supplions, Père, que nous puissions le soutenir. Que nous puissions soutenir notre Église. Que nous puissions soutenir nos missionnaires. Oui, tu veux être roi, comme nous a recommandé ton saint prophète. Accorde-nous cela, oh Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Dieu de miséricorde, je manque de mots, mais j'exprime les sentiments de mon cœur. Et que tu puisses bénir chaque membre, oh Dieu, de cette église. C'est la prière de ton serviteur, notre pasteur. Et que tu puisses bénir chaque membre, oh Dieu. Seigneur, nous voulons être errés. Oui, je crois que la Bible dit, Paul dit, j'ai dit que vous devez être errés. Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Oh Dieu, nous devons être errés, même si les choses ne marchent pas. Nous devons toujours être errés, oh Dieu, parce que nous sommes un peuple erré qui ont reçu un prophète puissant depuis Enoch jusqu'à nos jours. Bénis, Seigneur de tout-puissant, ta parole. Bénis ce message du temps de la fin. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin, Seigneur. Sois réellement avec nous, oh Dieu. Raccompagne-nous, Seigneur. Et surtout, Seigneur de tout-puissant, sois avec chaque membre qui est venu à cette église ce matin, oh Dieu. Bénis les hommes, bénis les femmes, bénis aussi les petits-enfants, Seigneur. Nous nous confions tous à toi pour la gloire de l'Évangile. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Très-Haut vous bénisse richement.